Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Trophées de l'Assurance. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Amandine. Emmanuel Lambijou, tout le monde te connaît bien sûr ici, cofondatrice de ces Trophées de l'Assurance. Alors comme chaque année, vous connaissez pour la plupart la règle, on va procéder bien sûr à la remise de ces trophées, présenter chacune des innovations récompensées. Et puis le manager, la personnalité de l'année. Vous avez été super discipliné là, assis, silence. Vous savez que ça prend un petit peu de temps, ces remises de trophées, que vous êtes content de vous retrouver autour d'un verre et que vous avez parfois tendance à parler entre vous. On n'est pas là pour faire la police, mais ça gêne ceux qui sont sur scène, qui vous entendent plus qu'ils ne s'entendent eux-mêmes. Donc si vous voulez que ça se passe bien, que ça ne traîne pas trop... Et qu'on se retrouve au cocktail juste après. Voilà, vous aurez tout le temps de discuter. Et petite nouveauté, on a quelqu'un pour nous accompagner, Emmanuel. Il s'appelle Moutax. Le voilà. Et donc Moutax sera avec nous toute la soirée. On y va ? On y va. Donc ben, merci à Amandine pour cette troisième édition, d'être encore avec nous. Merci à tous pour votre présence. Merci bien sûr à nos partenaires et soutiens. Je le dis chaque année, mais sans vous, cette cérémonie n'aurait pas lieu. Merci également aux porteurs de projets qui présentent chaque année leurs innovations. On a reçu cette année 130 dossiers, dont 24 pour le trophée de l'assuré. 77 ont été présélectionnés pour être présentés à un jury que vous allez découvrir dans un instant, le 6 septembre dernier. Mais avant de commencer la remise des trophées, nous souhaitons dédier cette cérémonie à une personne que beaucoup connaissaient, appréciaient et qui nous a quittés en avril dernier. Merci. Pensée particulière, douloureuse ce soir pour Jean-Charles Néhémy, qui nous a quittés bien trop tôt en avril dernier. Il était notre ami, notre associé, un journaliste, auteur, professeur, respecté de toutes et tous depuis de nombreuses années. Nous savons que beaucoup de ses amis sont présents. Nous ne pouvons citer tous les témoignages reçus depuis sa disparition, mais voici quelques mots qui le caractérisaient si bien. Grand professionnel, passionné, enthousiaste, généreux, pédagogue, curieux, à l'écoute, drôle, quelques beaux coups de gueule dont il avait le secret, épris de justice et profondément humain. Il aimait passionnément son secteur, la prévoyance, la gestion de patrimoine, l'assurance. Il avait toujours des projets plein la tête, malgré son combat contre la maladie, dans le courage et la dignité, jusqu'au dernier souffle. Ce soir, c'est également un moment particulier, la sortie de son dernier ouvrage avec Jean-Luc. 50 innovations changent l'assurance. Il y tenait beaucoup, il a écrit ses dernières lignes dans cet ouvrage. Malgré le décalage de sa sortie, nous y tenions. Il a été une magnifique rencontre dans notre vie, rare et tellement importante, il nous manque terriblement. Nous avons une chaleureuse pensée pour Christine, son épouse, avec laquelle nous échangeons régulièrement, et ses trois enfants. Chaque jour, il est encore présent, par vos mots, vos anecdotes vécues, vos messages. Voilà, je suis sûre qu'il va nous accompagner pendant toute cette soirée. On passe à la cérémonie et nous remercions le jury composé de 24 personnalités, toutes reconnues sur le secteur, vous les découvrez. Un jury qui est en partie renouvelé chaque année, qui se veut représentatif des familles de la profession, mais également par leurs fonctions. Merci également au jury qui a désigné le manager et la personnalité de l'année, vous le découvrirez un peu plus tard. Merci donc à tous, membres du jury, pour votre disponibilité. Les réunions furent longues, studieuses, avec beaucoup d'échanges.
Et enfin, merci à Delphine Maisonneuve, directrice générale du groupe Vive et de Vive 3, et Stéphane Duroule, directeur général délégué de Covéa Coopération et directeur général Assurance France de Covéa, qui ont accepté de présider cette 23e édition. Madame, monsieur, merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, avec Stéphane, pour célébrer les trophées de l'assurance. Alors, tu l'as dit, 77 dossiers que nous avons examinés avec l'ensemble du jury, 9 catégories, beaucoup, beaucoup de richesses. Alors, d'abord, nous souhaitons remercier l'ensemble des équipes, vous tous qui ont travaillé sur ces dossiers, qui ont mis beaucoup de leur âme, de leur conviction, de leur enthousiasme pour, je dirais, nous présenter ces dossiers, avec finalement deux points, moi, qui m'ont particulièrement marqué cette année. Premier point, une très, très, très belle moisson autour des sujets sociétaux au sens large, donc bien sûr environnementaux, l'inclusion, la lutte contre les discriminations, la lutte contre le harcèlement, et la prévention. On avait vraiment beaucoup de dossiers dans la catégorie correspondante, mais aussi dans d'autres catégories. Donc ça montre que l'assurance, au sens large, est vraiment engagée auprès de la société pour changer les choses. Deuxième sujet qui m'a marqué, c'est qu'on a commencé à avoir de premiers dossiers assez bien foutus, je dois dire, autour de l'IA et de l'IAG, et bien sûr autour des sujets de cyber. Alors, je pense que ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière année qu'on aura ce type de dossier, mais on voit vraiment que c'est un sujet sur lequel, tous autant qu'on est, nous sommes en train de travailler. Pour compléter les propos de Delphine, effectivement, ça a été un plaisir de co-animer ces séances avec le jury. Et je retiens aussi deux éléments saillants. Le premier, c'est cette faculté pour notre métier, l'assurance, d'accompagner les transformations de la société sous l'angle technologique et sous l'angle sociétal. C'est vraiment l'utilité de notre métier. Et d'ailleurs, je n'avais pas fait attention au fait que le titre, c'était « Trophée de l'innovation et de la reconnaissance ». Et donc, je pense que c'est une forme de reconnaissance pour notre métier dans la société. Deuxième élément, c'est de placer le client, l'assuré, le sociétaire, peu importe nos environnements, au centre des dossiers qui ont été constitués, je partage, qui sont bien foutus, hein, et qui sont de très grande qualité, et de faire en sorte que, indirectement, directement, le client ne soit jamais oublié, puisque c'est bien l'essence même de notre métier que de lui apporter une réponse. Alors c'est un trophée, il y aura des élus, il y aura des déçus, c'est le jeu, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que de cette soirée, le grand gagnant, ce sera l'assurance, et encore une fois, la reconnaissance de notre métier. Donc, sans plus tarder, mais en laissant quand même la conclusion de cette introduction à Delphine, voyons les dossiers qui ont été récompensés, et ayons une pensée pour tous ceux qui ne le sont pas, mais qui ont fourni un super boulot. Un dernier mot donc pour vous remercier, Emmanuel, Alain Bijoux, Jean-Luc Gambet, pour ce bel événement et toute l'organisation qui a précédé, parce qu'on parle des 77 dossiers que nous avons vus, mais avant il y avait un pré-tri à effectuer, il y a un travail magnifique pour que le jury puisse délibérer dans de bonnes conditions. Donc merci à vous, je crois que c'est une fête qui est une fête de l'ensemble des métiers de l'assurance et c'est à vous qu'on le doit. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, avant de découvrir ce palmarès 2024, j'en profite pour vous rappeler que vous recevrez demain, tous en format digital, le magazine Dessine-moi l'assurance, 8e numéro, dans lequel vous retrouverez une présentation justement de chacune des innovations récompensées ce soir, du manager et de la personnalité de l'année également.
Et puis dans ce numéro, il y a plein de sujets qui touchent votre secteur, l'assurance et les Français à l'ère de l'IA, du changement climatique, l'essor du vélo ou encore l'impact de tout ça sur la santé humaine, sur la transition agricole. Bref, que des choses passionnantes et qui vous concernent. Allez, assez discuté, il est grand temps de découvrir, Emmanuel, les lauréats de cette nouvelle édition 2024. Et donc nous commençons par l'innovation produit et pour remettre ce premier trophée, merci d'accueillir Francis Teboul, président d'AF2A, et Steven Voiry, directeur général. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre des trophées de l'assurance 2024 avec notre partenaire AF2A, la référence formation. On reçoit Francis Teboul et Steven Voiry. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci de nous soutenir pour cette 23e édition des Trophées de l'Assurance. Nous allons parler de vous, messieurs, enfin en tout cas d'AF2A, bien sûr, vous l'avez compris. Un petit mot, Francis, sur votre évolution sur 2024. En 2024, notre principale ambition était de sortir une nouvelle offre de formation portant sur la partie bancaire, financière et immobilière, à destination bien sûr de notre clientèle historique, donc les intermédiaires, les banques assureurs et les assurances, mais également pour les banquiers et les services financiers. À cette occasion, eh bien, nous avons eu un certain nombre d'étapes, au moins trois. La première a été de recruter un directeur général, Steven, ici présent, qui a une très solide expérience du secteur de la formation et plus particulièrement du domaine bancaire, de renforcer, bien entendu, toute la partie pédagogique en recrutant une responsable pédagogique spécialiste de la banque et de la finance et une directrice commerciale. Bien entendu, nous avons complété cette offre par un catalogue dédié avec 170 programmes qui peuvent être déjà diffusés et qui peuvent être déjà réalisés en présentiel, en distanciel ou en classe virtuelle. Quelques mots sur cette offre, Stéphane Zohari? Alors cette offre, on l'a construite autour de trois grands axes. Bien évidemment, la première partie des formations métiers. Donc c'était important pour nous de pouvoir accompagner l'ensemble du secteur via des formations techniques. Deuxième partie sur la partie plutôt de formation transverse, donc avec des formations d'actualité, l'intelligence artificielle, la data, la relation client, tout ce qui est bien-être au travail. Et une troisième partie qui est vraiment au cœur de notre projet de formation, c'est la partie réglementaire, évidemment, qui est au centre des préoccupations de l'ensemble de nos clients. Donc c'est déjà plus de 45 formations sur la partie réglementaire, parmi lesquelles on retrouve nouvellement arrivées l'AMF et l'AMF Finance Durable. On va retrouver aussi la partie DCI, la partie MIF2, donc tout un tas de formations qui va nous permettre aujourd'hui de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients. Donc c'était important pour nous, d'une part, d'assurer une offre globale pour le secteur de l'assurance des courtiers que l'on connaît bien, mais aussi développer cette offre pour les autres acteurs financiers. Donc ça, c'est aujourd'hui, demain, en 2024? À 2024, on a bien évidemment la première ambition, c'est de continuer à poursuivre et à développer notre offre autour de nouvelles technologies. Donc avec l'intelligence artificielle, la relation client 4.0, la data comme j'en parlais, mais voilà, le mettre vraiment au service de l'apprentissage. Et bien évidemment, comme toujours, c'est aussi d'accompagner les collaborateurs en leur offrant toujours des propositions de formation toujours plus innovantes et en garantissant la montée en compétences. Donc une belle actualité, hein, de belles perspectives. Francis Teboul, l'arrivée de Steven Zohari, vous allez vous consacrer sur une dimension plus stratégique de l'entreprise ou pas? Oui, plus stratégique, et puis m'occuper également tout particulièrement de tout ce qui est éventuellement fusion-acquisition. D'ailleurs, comme je sais que vous aimez les scoops, je vais vous en donner un, puisque AF2A aujourd'hui s'est porté acquéreur d'une entreprise qui s'appelle Sumatra Conseil, qui est une société de formation spécialisée dans tout ce qui est formation réglementaire et qui dispose de la certification AMF et AMF durable. Et pour terminer cet échange rapide mais concis et efficace, une nouvelle charte graphique AF2A, Banque Assurance. Vous la découvrez également aujourd'hui, une nouvelle charte graphique qui accompagne tous ces changements que vous venez de nous annoncer. Merci Francis Teboul, merci Stéphane Zohari. À bientôt. Merci à vous, messieurs, et il est temps de nous révéler les résultats innovation produit. Alors, pour le trophée innovation produit,
le trophée de bronze est attribué à MAF Assurance pour les nouvelles garanties pour assurer les véhicules en leasing. On peut les applaudir. Le trophée d'argent est attribué à MAF Assurance pour... Non. Pardon, non. Le trophée d'argent est attribué voilà. À... Petit attention, premier... attention. Petit loupé. J'ai pas goûté de champagne encore. Donc, le trophée d'argent est attribué à Descartes Insurance pour Cyber Shutdown Cover. Et le trophée d'or est attribué à DATAC pour DATAC Protection MDR. Et donc, merci d'accueillir Charlotte Coallier, cofondatrice et CEO de DATAC. Voilà, elle arrive. Apparemment. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Et bravo. Merci beaucoup. Bon, avant de vous remettre ce premier trophée, vous êtes venu avec une partie de votre équipe, c'est ça ? Oui. Montez donc sur scène. Vous êtes spécialisé dans les services de cybersécurité et avec cette nouvelle offre, vous dites que vous avez une approche vertueuse du risque cyber. Ça veut dire quoi, une approche vertueuse du risque cyber ? Alors, avant de vous répondre, déjà, merci beaucoup pour cette reconnaissance. J'ai fondé DATAC après 15 ans dans l'assurance et ce prix aujourd'hui, ça nous pousse encore plus à dépasser les limites de la cyberprotection. Et pour rentrer dans le détail et répondre à votre question, je vais passer le micro à notre expert cybersécurité. Merci Charlotte et bonsoir tout le monde. Donc pour vous donner un petit peu plus de détails, DATAC a conçu l'offre DATAC Protection MDR. C'est une offre unique à 360 pour protéger nos clients. Finalement, c'est l'alliance entre l'assurance cyber et une des technologies les plus avancées en cybersécurité, le MDR. C'est beaucoup d'acronymes, mais finalement, c'est l'alliance entre un logiciel de cybersécurité et des humains derrière qui vont aider à protéger et détecter les risques. Théophile ? Très rapidement, je vois le temps qui défile. Bonjour à tous. Le vrai avantage de cette offre, c'est qu'il est double cet avantage, à la fois pour le courtier qui va pouvoir véritablement accompagner son client face au risque cyber, qui est un risque nouveau et complexe, renforcer son devoir de conseil, et en parallèle pour l'assuré, qui à la souscription bénéficie de facilités, de réductions sur l'assurance, et bien évidemment, en cours de contrat, d'une protection 24/7 de son système informatique et d'une réponse à incident accélérée en cas de sinistre cyber. Merci. Bien, bravo à vous. Bravo pour ce premier trophée. Chez vous pour les photos. Voilà. Merci à vous. Bravo. Nous passons maintenant au trophée Innovation Marketing. Et pour remettre ce trophée, merci d'accueillir Frédéric Dufaux, directeur général adjoint de DocaPost. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Bienvenue. DocaPost se positionne comme un acteur éthique et souverain de la confiance numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très simplement que nous prolongeons, en tant que filiale du groupe La Poste, dans le monde du numérique, les missions qui sont confiées à La Poste depuis Louis XI, donc la transmission d'informations entre particuliers et entreprises. On le fait de trois façons. On le fait autour de trois métiers, de l'édition de logiciels sur des piliers de la confiance numérique qui sont... je m'identifie, je signe, j'archive. Solution qu'on assemble dans des grandes plateformes à façon, pour certains d'entre vous d'ailleurs, au passage. Et puis, on accompagne ça chez certains de nos clients par du conseil, de l'expertise, du métier, où on prend en charge des prestations de A à Z. Ces métiers-là, on l'exerce en éthique, en confiance numérique,
en prenant l'engagement que les données sensibles restent hébergées en Europe, et plus particulièrement en France. De manière juste, on s'engage à ne pas utiliser ces données à d'autres fins que celles que vous, pour lesquelles vous nous les confiez, et le tout donc en s'appuyant sur des technologies qui permettent de le protéger, donc en particulier de la cybersécurité, de la gestion de la donnée, et puis tout ce qui est nouvelles technologies dans le domaine du cloud. Et ça, on décline sur trois grands marchés, la santé, le secteur public et l'assurance, bien sûr. Et vous parliez du cloud, vous avez lancé il y a deux ans un opérateur de cloud 100% souverain, NumPost, avec Dassault Systèmes, avec Bouygues Télécom et avec la Banque des Territoires. Alors c'est NumSpot. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas grave. Monsieur, pardon. C'est pas grave. NumSpot. En effet, d'ailleurs, il y a un événement qui va marquer le lancement de notre première offre où on va lancer du OpenShift en mode SecNum Cloud. Cette offre-là, elle a pour ambition d'héberger les données les plus sensibles, en particulier dans le domaine de la santé ou dans le domaine du secteur public. Elle ne vise pas à concurrencer les grands acteurs du cloud. Hein. On n'a pas les moyens d'un Amazon ou d'un Google dans ce domaine-là. Donc, c'est des offres très ciblées, très, très particulièrement centrées sur l'assurance, la santé et tout ce qui tourne autour des données sensibles dans le domaine du secteur public. On va passer au palmarès ? Si oui, vous le voulez bien. Alors le palmarès. Allez. Je vous laisse. Alors, palmarès de l'innovation marketing. S'il vous plaît, merci d'un petit peu de silence au fond de la salle. Le trophée merci. De bronze est attribué à April Moto pour ma période hivernale. On peut les applaudir. Le trophée d'argent est attribué à MAF Assurance pour Home Run. Bravo. Et le trophée d'or à Soli Hazard pour l'option Family and Company. Bravo. Et je remercie Myriam Sada, directrice de l'offre et de l'expérience client, et Anne-Florence Liban, responsable de la communication de Soli Hazard, nous rejoindre. Elles arrivent. Bonsoir. Merci beaucoup. Et bravo. Eh bien, merci. Bravo. Voilà. On est ravis. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit, cette option Family et Compagnie. Alors, c'est révolutionnaire. Oui. Vendu comme ça, déjà. Donc, en fait, on s'intéresse beaucoup au marché des animaux de compagnie chez Soli Hazard, puisqu'on fait de l'assurance chien-chat depuis 40 ans. Et qu'on est très mauvais en France. Enfin, exactement. Les assurés ont peu tendance à... Attention. C'est ça. Oui, il y a un trou. Le taux d'équipement... 8% d'assurance pour les chiens, c'est tout ? C'est ça. Le taux d'équipement est très faible, hein, puisqu'il est de l'ordre de 8% pour les chiens et 3% pour les chats. Et donc, ça, malgré le nombre d'acteurs qui amplifient, le taux d'équipement ne change pas. Donc, pour les 40 ans de l'assurance chien-chat chez Soli Hazard, on a voulu réfléchir, on s'est dit comment on pourrait déclencher le réflexe assurance. Donc, on a cherché, on a brainstormé et on a trouvé une idée extraordinaire. En fait, c'était tout simple. Nous, chez Soli Hazard, on adore les animaux. Comme je vous l'ai dit, ça fait 40 ans qu'on fait de l'assurance chien-chat. Et donc, on a toujours considéré les animaux comme des véritables membres de la famille. Et donc, nous avons sorti la première complémentaire santé qui assure toute la famille, y compris les chiens et les chats, avec l'option Family et Compagnie pour seulement 3,90€ par mois en plus. Donc, c'est une offre multi-équipement. Exactement. L'objectif... Et c'est un outil de fidélisation pour les courtiers ? Complètement. L'objectif, c'est de faire parler de l'assurance chien-chat pour les courtiers. C'est-à-dire que lorsqu'un courtier saisit son contrat santé, il saisit le souscripteur, le conjoint, l'enfant, le chien ou le chat. Donc, il peut parler d'assurance chien-chat et il multi-équipe son client et il le fidélise, bien entendu. On a augmenté nos ventes chien-chat de 75% depuis le 1er juillet, la date de mise en production de cette option. Il y a 40 millions de chiens en France. C'est un sacré marché. Alors, c'est ça. Il y a 15 millions de chats et 7,5 millions de chiens en France. Et un Français sur deux possède un animal de compagnie. Et demain, c'est la journée mondiale des animaux. Je dis ça en passant. Voilà. Et Anne-Florence, bravo. Peut-être que tu veux donner un petit mot sur le déploiement qui a été... On se dépêche ?
Vous avez 50 secondes. 50 secondes, je relève le défi. Donc effectivement, c'était un produit auquel on tenait beaucoup chez Soli Hazard et c'était une opportunité pour nous de communiquer au grand public et de développer notre notoriété. Et donc ça a été l'occasion de faire une campagne dans le métro. Donc c'était une grande première pour nous et toutes les équipes étaient derrière et c'était un super projet. Voilà, simplement. Eh bien, grand bravo à vous. Ah, encore bravo. Désolée, Amandine. J'ai un petit message personnel. Allez-y. Je suis fan de la matinale. Non, je suis fan de Philippe Cavrivière. Et si demain il veut assurer Snatch, Roméo et Virgile, chez Soli Hazard, on fait des réductions minimeutes. Bon, je passerai le message. Bravo à vous en tout cas. Allez, nous passons à l'innovation affinitaire. Et pour remettre ce trophée, merci d'accueillir Sophie Ozat, déléguée générale de la FG2A, Fédération des assurances et garanties affinitaires, et Patrick Raffort, président de la FG2A. Beaucoup et bravo. Non, pas bravo. On va annoncer les résultats. Pardon. Encore. Si je m'y perds déjà, on est mal. Sophie, on va commencer avec vous. La FG2A, c'est aujourd'hui plus de 175 membres. Je ne dis pas de bêtises. Quelles sont vos ambitions futures? Alors, des ambitions, on en a plein. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la Fédération des garanties et des assurances affinitaires, FG2A, c'est effectivement 175 membres, avec une arrivée remarquée cette année de 40 nouveaux membres, ce qui révèle vraiment une appétence pour le secteur affinitaire. Nos ambitions pour 2025, elles tiennent en trois axes. Le premier, c'est de poursuivre cette croissance exponentielle et sans précédent que connaît notre fédération. Le second, c'est de toujours apporter davantage de contenu à nos adhérents sur des sujets clés tels que la réglementation, la distribution en assurance ou encore ce qui se fait en matière internationale sur l'assurance affinitaire. C'est bien évidemment, en troisième point, de faire rayonner notre fédération en contribuant tous les jours à la valorisation et à la promotion de nos assurances affinitaires. En fait, ce soir, cette cérémonie des trophées, ça récompense notamment l'innovation. Et s'il y a un secteur où il y a une vraie innovation, c'est de mon point de vue le secteur de l'assurance affinitaire. Alors à tous les acteurs de l'assurance affinitaire, adhérents de la FG2A en particulier, moi aujourd'hui je vous dis bravo, merci pour votre créativité, votre dynamisme et votre agilité, parce que c'est pas facile tous les jours, on peut être décrié, mais vous vous en sortez à merveille. Donc vraiment bravo et vive l'innovation en France. Merci. Patrick, vous avez lancé une campagne d'identification des produits affinitaires en Europe. Quels sont les objectifs, vos objectifs? Bonsoir à toutes et à toutes. Bravo Sophie aussi, parce que si on est aussi nombreux aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Alors effectivement, on reste complètement, je dirais, orienté sur notre ADN, c'est-à-dire à la fois le respect de la réglementation, le respect des consommateurs, et ça c'est important. Mais on veut s'ouvrir effectivement sur l'Europe. Vous savez qu'on est présent au Canada, sur la zone ibérique, très souvent au Maroc. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est aller chercher les produits qui fonctionnent bien sur un certain nombre de géographies au niveau européen, bien sûr au niveau français, mais ça on maîtrise à peu près, mais au niveau européen. Donc savoir un peu comment ça se passe, ce qui marche bien. On parlait chien-chat il y a deux minutes, il y a des territoires sur lesquels ça se passe très bien. Voir ce qui est en train d'arriver aussi, les innovations, ce qui est en train d'émerger. Et puis on veut aussi, et ça on l'a lancé, nous allons faire une enquête aussi consommateur, avec une enquête consommateur un peu spécifique, puisqu'on s'intéresse aussi aux 15-18, 15-20 ans notamment, mais pas que, afin de savoir un peu ce qui les intéresse, leur façon de communiquer, leur vision de l'affinitaire. Et on l'a vu en France, parce qu'on a fait une étude avant l'été, eh bien c'est un contingent, je dirais, de consommateurs très particuliers qui sont très appétents à nos produits. Donc l'idée, c'est de favoriser un petit peu cette prise de conscience de ce qui se passe au niveau européen, de voir les modèles de distribution, de voir un petit peu les produits qui pourraient éventuellement être mis en œuvre. Je crois que j'ai encore 3-4 minutes, hein, Jean-Luc. Non, pas du tout, c'est pour...
C'est pour le L'Oréal. Non, Jean-Luc m'avait donné un bonus, donc j'utilise. Non, je plaisante, je vais pas aller plus loin. En tout cas, effectivement, l'idée, c'est de vraiment faire un panorama de ce qui existe, de ce qu'on peut valoriser. L'affinitaire, c'est un énorme potentiel. Il faut le faire, encore une fois, proprement, en respectant les règles et en respectant le consommateur. Et vous verrez, il va y avoir des choses très intéressantes qu'on va mener en 2025. Merci à tous pour votre écoute. Allez, on va passer aux résultats. Allez-y, un chacun. Allez. Alors, le trophée de bronze est attribué à GFM Assurance pour le dispositif Accueillir et accompagner les enfants 10. Le trophée d'argent est attribué à AXA France pour mon pack entrepreneur. Et le trophée d'or à April Marine pour April Marine Academy. Bravo. Merci d'accueillir Lionel Boisméry, dirigeant d'April Marine. Bonsoir, bravo. Merci beaucoup. Bon, on a parlé des chiens, des chats. Là, on va prendre la mer, puisque ce dispositif, il est à destination des propriétaires de bateaux, à voile ou à moteur. Vous dites que les plaisanciers ont une utilisation très limitée de leur bateau, 10 jours par an en moyenne, c'est très peu. Qu'est-ce que vous leur proposez avec ce nouveau dispositif ? Bon, alors déjà, bonsoir à tous et puis merci beaucoup. Merci et ravi que le dispositif qu'on a mis en place ait séduit le jury. Donc encore une fois, un grand merci. Bravo aussi aux équipes qui ont contribué à faire vivre ce projet. Et notamment, on a Julie qui travaille avec moi là-dessus et qui est dans la salle. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour Julie et puis pour le groupe April. Donc ravi d'être là. Donc pour répondre à votre question, c'est quoi en fait, il manquait quelque chose en plaisance. On a effectivement une utilisation des bateaux qui est extrêmement limitée. On parle de 10 jours par an, on parle d'une formation, d'un permis qui n'apprend pas, en fait, qui est un permis qui est juste un droit d'utiliser le bateau. Et du coup, on a mis en place pour l'ensemble de nos clients, donc je dis bien l'ensemble, hein, que ce soit un contrat RC, un contrat multirisque, pour vraiment tous nos clients, on leur a mis en place une plateforme de formation en ligne qui permet d'apprendre à utiliser un bateau. C'est une vraie formation. Dans le prolongement du permis bateau. Tout à fait. Dans le prolongement du permis bateau, l'idée, c'est de ne pas laisser le client seul avec son bateau, parce que c'est un milieu parfois anxiogène. Et du coup, c'est de l'accompagner dans l'usage de son bateau. C'est un accélérateur d'expérience. Et d'un mot, ça permet de réduire la sinistralité de ces contrats ou pas ? Alors, oui. C'est encore un peu tôt pour le dire, c'est la conviction qu'on a. Effectivement, alors, il va falloir qu'on mesure, il va falloir qu'on ait de la data. Là, le produit a un peu moins d'un an. Donc, il va falloir qu'on apprenne, mais effectivement, l'enjeu, c'est de réduire un peu la sinistralité, ou significativement la sinistralité, parce qu'un plaisancier qui est formé est forcément un plaisancier qui fait plus attention. La prochaine étape, parce qu'il y a forcément des choses auxquelles on pense déjà maintenant, prochaine étape, c'est une certification et peut-être une incidence sur la prime. Donc, à voir, on va apprendre, on va avoir de la data, puis en fonction, on verra. Un projet qui va évoluer. Donc, merci beaucoup et encore bravo. Merci beaucoup. Petite photo. Et tenez, donnez-moi. Et on passe au prochain trophée, Emmanuel. Et le prochain trophée, innovation, relations clients. Et pour ce trophée, merci d'accueillir Denis Hucafol, directeur commercial assurance de Salesforce. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci.
on parle beaucoup innovation depuis le début de cette soirée et pour cause. Ce secteur de l'assurance continue d'innover dans l'amélioration de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner votre regard à vous en tant qu'éditeur de plateforme justement sur l'ensemble des innovations qui sont proposées ? Oui, merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, ce que l'on peut voir dans les différents dossiers qu'on a pu analyser, disons qu'il y a trois grands axes. Un axe autour de la réactivité, un deuxième sur l'efficacité et un dernier sur la personnalisation. Réactivité avec des parcours digitalisés qui permettent à un utilisateur de pouvoir directement rentrer ses données et avoir un accès plus rapide à ce qu'il cherche. Efficacité par la centralisation des data, avoir des données plus unifiées, plus rapidement accessibles, qui permettent à tous les intermédiaires de pouvoir avoir une vision complète d'un dossier. Et personnalisation, avec des parcours qui évoluent sur des solutions plus immersives, qui permettent justement, lors de sinistres, de moments un petit peu difficiles, avoir quelque chose qui fait plus de sens pour la personne en cas de sinistralité. Il y a deux semaines se tenait Dreamforce, votre événement client annuel à San Francisco. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quoi les innovations que vous avez vues là-bas, qui ont été présentées là-bas, vont transformer la relation entre le secteur de l'assurance et les clients ? Oui, tout à fait. Donc c'était il y a deux semaines. D'ailleurs, certains d'entre vous dans la salle ont pu venir nous voir à San Francisco. Donc merci d'être venus et j'espère que d'autres se joindront à vous l'année prochaine. Sans surprise, dans la technologie, aujourd'hui, les gros changements sont autour de l'intelligence artificielle, notamment générative, et de la donnée. Et donc forcément, on a eu beaucoup d'annonces autour de ces deux sujets-là pour que un assureur puisse déployer de manière à l'échelle ces technologies qui aujourd'hui sont encore à l'état d'étude dans un grand nombre d'assurances et se dire voilà, demain ça fonctionne, je veux aller à l'échelle. Donc c'était vraiment ces sujets-là. Et pour donner un cas concret, aujourd'hui, ce que l'on a été capable de démontrer sur scène, c'était vraiment un cas d'usage où, lors d'un sinistre, on peut échanger soit par chatbot, soit à la voix avec une intelligence artificielle qui nous permet d'avoir des réponses qui sont cohérentes, pertinentes par rapport à notre dossier, dans un langage naturel, donc pouvoir communiquer plus facilement, plus aisément, et avec des technologies qui permettent de maintenant pouvoir trouver de la donnée non structurée comme des couvertures en cas de sinistre. Et ça, c'est le quotidien dans combien de temps ? 6 mois ? Un an ? 2 ans ? C'est tout de suite. C'était il y a 2 semaines à San Francisco pour ceux qui ont pu venir. On va regarder les résultats. Alors, donc, l'innovation relation client. Le trophée de bronze est attribué à Direct Assurance Aventure pour couvert, pas couvert. Le trophée d'argent est attribué à la Massif pour SAPIC, solution d'aide à la priorisation des irritants clients. Et le trophée d'or à la Matmut pour Easy, indemnisation simplifiée, un parcours self-care dégâts des eaux. Et merci donc d'accueillir Nathalie Sjorneil, membre du Comex Group Matmut en charge de la direction relations sociétaires, Stéphane Muller, membre également du Comex Group Matmut en charge de la direction assurance Yard, et Hicham Afidikoz, membre de la direction relations sociétaires en charge du programme NEO SIDDE. Bonsoir et bravo. Bonsoir et merci. Les dégâts des eaux, tout le monde en a déjà eu, c'est une vraie galère. Qu'est-ce que vous proposez d'innover ? Non, moi je parle en connaissance de cause, j'en ai un au-dessus, un en dessous, donc je suis cernée. Qu'est-ce que vous proposez d'innovant ? Nous, ce qu'on propose d'innovant, c'est un parcours web de bout en bout, avec la possibilité de déclarer son sinistre, de le chiffrer soi-même et de se régler soi-même. Et ça concerne tous les dégâts des eaux ? Parce que non, mais ça a l'air très simple comme ça. Ça concerne
tous les dégâts des eaux. Ouais. Alors, on est un petit peu regardant quand même. Ouais, hein. Ouais. Mais ça concerne tous les dégâts des eaux, sachant que, ben, avec un scoring qui nous permet de le proposer à tous les sociétaires qui sont bien positionnés pour en bénéficier, parce qu'on est quand même très regardant sur la charge technique, je me trouve. Pourquoi tu me regardes? Vers mon collègue qui est extrêmement rigoureux. Et bien globalement, c'est quand même 10%, on va dire, des déclarations de sinistre dégâts des eaux qui sont concernées par ce parcours. Donc 10% des assurés passent par cette de vos 10% oui. des assurés qui ont un dégât des eaux. L'innovation, ce n'est pas la déclaration du dégât des eaux sur le web. Ça fait à peu près 20 ans que ça existe. Oui. C'est bien c'est de pouvoir aller jusqu'au règlement et de clôturer son sinistre en 7 minutes au lieu de le faire en 7 semaines ou 7 jours selon les cas, sans perdre la maîtrise technique du coût de réparation, justement. Et sans s'énerver aussi, sans doute, avec toutes les démarches. Un grand bravo, en tout cas. On parlera de votre contrat hors antenne. Oui, eh ben, j'ai plein de trucs. Alors, j'en ai une liste longue comme le bras. Merci. Bravo. Bravo à vous. Merci à vous. Et on va passer à l'innovation communication, Emmanuel. Communication, et pour ce prix, merci d'accueillir Christophe Emprin, président de PAC Solutions. Danser même. Hein. On peut y aller. Hein. On a promis avec Emmanuel que l'année prochaine, on arriverait en dansant. Voilà. Donc on va essayer. On va essayer de nous donner quelques inspirations. L'innovation pour PAC Solutions, c'est quoi? Oula, c'est très vaste. Vaste question. Vous avez quelques petites minutes, pas 6 minutes 23. Non, j'ai compris que j'avais que la moitié de ce qui est affiché. Voilà. C'est là. La moitié. Voilà. Voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. L'innovation. Derrière le mot, on peut mettre effectivement une quantité de choses et la richesse de la nature des trophées qui sont distribués ce soir et qui récompensent effectivement des nouveautés démontre que l'innovation peut être dans tous les compartiments du jeu et de l'entreprise. Si je dois en parler pour PAC Solutions, l'innovation c'est un état d'esprit. C'est-à-dire une capacité à remettre en cause ce qu'on fait aujourd'hui de manière continue et permanente. Ce n'est pas des révolutions, ce n'est pas des renversements de table, c'est un long chemin et un parcours, un état d'esprit qu'on essaye d'avoir auprès de l'ensemble des équipes. Évidemment, il y a une partie technologique et c'est d'avoir la curiosité d'aller voir dans notre secteur, mais aussi dans d'autres secteurs, les innovations au plan technologique. Donc, je dirais que c'est vraiment un état d'esprit, effectivement, et puis de remettre en cause, y compris sur des offres historiques de PAC Solutions, de se dire comment je les transforme de manière permanente. Donc c'est de l'évolution, de la révolution, de la créativité dans à peu près tous les compartiments du jeu. Vous parliez d'évolution technologique, il y a bien sûr l'IA, et on en a déjà pas mal parlé depuis le début de cette soirée. Où en êtes-vous chez PAC Solutions ? Alors l'année 2024, elle marque une étape un petit peu clé pour PAC Solutions sur l'intelligence artificielle, avec une partie que je qualifierais immergée de l'iceberg, qui est de se dire que tous les collaborateurs de l'entreprise, et quelles que soient leurs activités et leurs métiers, doivent acquérir un niveau de connaissance sur ce qu'est l'intelligence artificielle et comment demain l'intelligence artificielle va les aider dans l'accomplissement de leur mission. Et puis la partie émergée, donc là c'est un demi-scoop peut-être, c'est que nous sommes désormais prêts à lancer notre première offre autour de l'intelligence artificielle et on l'a centrée sur un assistant à la conformité. En gros, j'ai un moteur apprenant d'intelligence artificielle qui récupère des exigences de nature réglementaire par exemple, de la documentation des processus d'une compagnie d'assurance et qui va en sortir en mettre comme un assistant une notion de conformité, de seuil de conformité, de niveau de conformité par rapport à une exigence réglementaire. Et la première application que nous lançons, elle sera autour de Dora, avec un moteur apprenant qui va à la fois manger, excusez-moi le terme, mais toute la richesse de documentation de l'assureur, et
donner et aider des auditeurs à déterminer un seuil et un niveau de conformité aux exigences de DORA. Juste d'un mot, les obligations réglementaires, l'évolution de ces obligations, vous dites que c'est une opportunité, pas un boulet. Alors, effectivement, on est dans un secteur éminemment réglementaire, riche en nouvelles réglementations et en nouveaux textes. Je crois qu'on le vit tous, à un moment ou à un autre, comme une contrainte. Nous, on essaye toujours de se dire, d'abord, est-ce qu'il y a une opportunité derrière cette réglementation ? Et la première d'entre elles, et celle qu'on entrevoit extrêmement fréquemment, c'est souvent et presque toujours l'occasion de revenir vers le client pour venir lui expliquer, pour venir lui proposer, pour venir le conseiller. Et à chaque réglementation, on a cette occasion-là. C'est vrai sur l'industrie verte, ça a été vrai sur évidemment la loi Pacte et le PER, mais il y a une quantité de champs réglementaires qui sont en réalité des opportunités pour les assureurs de revenir vers leurs clients, de tisser un lien continu de relation pour leur expliquer le produit, le contrat et les tenants et les aboutissants de leur choix de souscription. Allez, on passe au résultat. Pour le trophée Innovation Communication, le trophée de bronze est attribué à AXA. Est attribué à Execo. Deux Execo en bronze. Ah oui. D'accord, c'est piégeux la façon dont c'est piégeux. C'est piégeux. Le trophée donc, bronze est attribué bronze, en fait. deux trophées de bronze. Donc Execo, AXA Prévention pour la tête ailleurs. Et le groupe Covea pour changer le regard. Le trophée d'argent est attribué au groupe Vive pour le partenariat groupe Vive et Mesdames Médias. Et le trophée d'or, roulement de tambour, au furet.com pour sa nouvelle campagne d'affichage. Et merci Julia Poublan, directrice marketing communication des Furets, de nous rejoindre. Bravo, cette campagne on la découvre, bravo. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née l'idée de cette campagne ? Alors, l'idée de la campagne, c'était de passer le message aux Français que trouver le bon contrat d'assurance, c'est pas si difficile que ça. Il suffit de chercher, mais juste un tout petit peu. Et notre agence nous a fait une réponse de brief en nous proposant de cacher la réponse en mode trompe-l'œil dans un paysage urbain, dans une campagne d'affichage au sein de la ville. Et du coup, donc le 360 euros qu'on voit là, par exemple. Exactement. Donc ça nous a beaucoup plu. On n'avait pas vu ça encore, mais ça nous a beaucoup plu parce que ça permettait donc d'avoir une touche de modernité, de surfer sur les codes du street art, d'avoir une connivence avec notre public, et puis d'être au sein de la ville, donc au cœur de la vie de nos consommateurs. Alors ça, c'est pour l'idée, la réalisation, ça a été... Alors, une bonne idée, c'est bien, mais oui. Une bonne exécution, c'est encore mieux, c'est ce qui fait le succès des campagnes. Et le directeur artistique s'est fait aider d'une IA, l'IA qui s'appelle Midjourney, qui est une des plus... performante, on va dire, en ce moment. Vous parliez d'IA à l'instant. Et du coup, outre que ça a un effet assez bluffant, alors là, on ne le voit pas en vrai, en affichage, c'est encore mieux, ça nous a permis d'aller très rapidement de l'idée à l'exécution. Vous savez, parfois, on achète une campagne, l'idée est super, mais le temps qu'on voit la réalisation, on peut avoir des surprises. Et là, ça a été très, très rapide, donc c'est ce qu'a permis l'IA.
Puis le temps qu'on a gagné entre l'idée et son exécution, ben, on l'a pris en peaufinant le trompe-l'œil. Parce que comme l'idée c'était de dire on a à peine à chercher, la réponse elle est là, elle est sous vos yeux, on s'est amusé à voir en combien de secondes on voyait la réponse. Donc est-ce que c'est une demi-seconde, est-ce que et c'est deux secondes, trois secondes, ben, on l'a calculé à peu près à moins d'une seconde si on est suffisamment loin. Évidemment si on a le nez devant, c'est pas pareil. Donc c'était assez bluffant et puis surtout ça a beaucoup plu à notre public et à nos consommateurs. Mais en tout cas un grand bravo et merci. Merci bien. Merci. Je fais un tout petit rappel à l'ordre là pour le fond parce que franchement, on entend beaucoup, beaucoup de bruit. Merci. Hein ? Ah, c'est, oui, oui, non, mais c'est après, vrai. C'est à toi. Hein. Oui, oui. C'est la prochaine moi, fois, c'est moi toujours qui... moi la méchante. Oui. Allez, innovation, distribution. Merci d'accueillir Frédéric Audeau, directeur commercial et transformation de Fondever. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et bienvenue. Parlez-nous de Fondever. Alors Fondever, nous sommes une société spécialisée dans l'externalisation de la relation client. On existe depuis 40 ans. Juste pour ceux qui, ou celles qui n'ont pas fait la coloration, on a changé de nom il y a un an et demi. On est ex-Sitel. Donc on est des spécialistes de l'externalisation de la relation client depuis pas 40 ans. On est présent dans le monde au sein de 46 pays. On est 170 000 collaborateurs. Et en France, plus particulièrement, on a encore un maillage territorial relativement important, puisqu'on a 12 sites, 6 000 collaborateurs, et puis on est aussi à l'offshore, au Maroc, en Afrique de l'Ouest, et tout nouvellement à Madagascar. Et ce soir, globalement, ce qui nous importe, c'est l'assurance. Donc ça fait un peu plus de 30 ans qu'on développe des programmes d'assurance externalisés pour nos clients, donc que ce soit de l'acquisition, de la gestion, de la fidélisation, et du back-office. D'ailleurs, on a quelques clients dans la salle. Pour ceux qui ne le sont pas encore, on sera présent à la soirée après. Voilà, le message est passé. Voilà. Bon, on va passer au résultat. Alors, pour le trophée de bronze de innovation de la distribution, est attribué à meilleur taux pour la comparaison à trois dimensions. Bravo. Pour le trophée d'argent, est attribué à SPV Assurance. Pour Alex, le chatbot propulsé par l'IA. Et enfin, le trophée d'or à Comparadise, le premier algorithme de comparaison de rapport qualité-prix de Mutuelle. Merci d'accueillir Julien Fillot, CEO de Comparadise. Bravo. Bonsoir et bravo, vous avez l'air content. Super content. Et Amandine me rejoint parce que écoutez, bienvenue, c'est Amandine. Une des architectes de ce projet. Très bien, je vous laisse un micro. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche, votre scoring de comparaison multicritères. C'est pas facile de comparer des mutuelles. C'est même très compliqué et jusqu'à maintenant, les comparateurs ont toujours comparé par le prix, ce qui était le seul critère objectif. Mais à chaque fois, on me posait la question, mais c'est quoi la bonne mutuelle ? Je répondais, c'est pas forcément la moins chère. C'est un rapport entre ce qu'on va te rembourser et ce que tu vas payer. Mais on n'arrivait pas à le structurer vraiment dans notre offre. L'année dernière, Jean-Luc me pose la question, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire changer un peu au comparateur ? Et j'ai répondu, il faudrait créer un rapport qualité-prix. On a travaillé en fait, dès le lendemain des trophées de l'assurance. Ça fait un an qu'on bosse dessus. Et on a trouvé vraiment quelque chose qui commence vraiment à nous plaire. À nous faire nous dire si on doit recommander quelque chose à nos proches, ce serait le meilleur rapport qualité-prix que notre algo donne qui serait la bonne réponse. En fonction, j'imagine, aussi de chaque assuré. Et c'est pas le... chaque rapport qualité-prix va être différent parce que les garanties, on a 400 garanties, on a voilà, vraiment beaucoup de monde, il y a 30 000 personnes qui viennent tous les mois comparer, donc chaque profil va avoir un rapport qualité-prix différent par gamme.
les bénéfices pour les assurés, j'allais dire, c'est assez évident, puisqu'ils vont en avoir en gros pour leur argent. Pour les assureurs, c'est quoi le bénéfice? Bah justement, c'est un changement de paradigme des comparateurs. Et alors, je voulais saluer aussi Meilleur Taux, qui est aussi dans la même logique que nous ce soir. Et on est humblement fiers d'avoir gagné. Mais justement, les comparateurs sont en train d'évoluer, sont en train de changer leur approche en disant on va essayer de proposer autre chose qu'une simple comparaison de prix qui peut tirer peut-être parfois les choses vers le bas. Pas forcément, mais c'est l'impression que ça peut donner. Mais les assureurs, vraiment, vont pouvoir voir que on avance, on évolue, on écoute ce qu'ils nous disent et de proposer le meilleur produit en haut de liste, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire. Vous vouliez ajouter un petit mot? Non? Tout est clair. Bon, et eh bien bravo. En tout cas, elle a travaillé très dur et bravo Amandine parce que c'est elle qui l'a fait. Et c'est né ici, donc c'est quand même sympa aussi. Bravo. Innovation Service, trophée de l'innovation service. Et pour ce trophée, merci d'accueillir Catherine Abivin, présidente de CGDIM Assurance. Bonsoir et bienvenue. On vous connaît bien sûr principalement comme éditeur de logiciels. Quelles sont vos autres activités? Alors effectivement, l'édition de logiciels représente aujourd'hui un tiers de notre activité. Les deux tiers, ce sont de l'outsourcing de process à travers nos opérateurs de tiers payants sous deux marques e-santé et SP Santé, et également des activités de délégataires de gestion, soit sur nos systèmes d'information, soit ce qu'on appelle en débordement sur les systèmes d'information des clients. On va regarder les résultats. Alors, le trophée de bronze est attribué à Verling Execo pour Good Luck. Effectivement, Execo. et April International pour l'appli Easy Claim. Le trophée d'argent est attribué à Massif pour le bouton d'assistance Massif Drivers. Et le trophée d'or à Maïf pour territoire et prévention. Merci d'accueillir Françoise Perronnet, directrice générale de SMAC L'Assurance, et Thomas Cordeau, responsable de projet territoire et prévention à la direction B2B de Maïf. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous et à toutes. Et bravo. On en parle régulièrement, que ce soit à la télévision, à la radio, dans les journaux. Les communes françaises sont souvent en première ligne des conséquences des événements climatiques. Comment est née votre innovation? Oui, merci. Alors, avant peut-être, d'abord un grand merci, parce qu'on est très, très heureux d'avoir ce prix qui reconnaît notre innovation sur le marché, effectivement, au service des collectivités et de l'assurabilité dont nous entendons beaucoup parler en ce moment. Alors, c'est un prix. Merci beaucoup aussi aux équipes Maïf et SMAC, là, puisque en fait, c'est un projet qui a été conduit collectivement entre les deux entreprises, en mode entrepreneurial sous le pilotage de Thomas. La SMAC, pour rappel, créée par et pour les collectivités, est donc profondément au service de ses clients, et notamment dans ce contexte d'assurabilité sur la prévention. Alors, la genèse de ce produit, de ce service, c'est bien entendu ce qui vous touche, ce qui nous touche tous, l'assurabilité et les risques climatiques qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, et qui touchent bien sûr les collectivités, dans un contexte où les collectivités n'ont pas tout l'ingénierie nécessaire pour faire face à tout ça, dans un contexte où la culture du risque n'est pas autant développée que dans l'assurance comme chez nous, et où elles ont besoin aussi d'être aidées, puisqu'il y a beaucoup de réglementations et assez compliquées sur ce sujet. Donc la genèse, c'est ça.
et le service lui-même, du coup, c'est d'apporter, c'est en deux étages. La première chose, c'est de faire un diagnostic de prévention qu'on leur apporte, on les aide à faire ce diagnostic. Et puis, notamment, c'est le PrevScore, dont on pourra parler. Et le deuxième étage, c'est de leur apporter des services pour venir répondre à ces problèmes de prévention. Alors là, il peut y avoir de la formation, il peut y avoir des outils d'ingénierie, juste des batardeaux, par exemple, pour retenir l'eau. Et puis aussi toute autre forme de documents, les aider à remplir leurs contraintes réglementaires. Combien de communes concernées par ce dispositif? Alors globalement, on s'intéresse plutôt aux petites ou aux moyennes. Donc là, on est à peu près à 80%. Ce sont elles qui sont le plus en retard sans doute. Alors, c'est elles qui sont le plus en retard, qui ont le moins de finances pour faire certaines choses, qui ont aussi beaucoup de choses à faire sur la connaissance des risques. Et puis, alors je vais compléter ce que disait Françoise, mais on continue de développer les services. Et là, on a monté une expérimentation qui s'appelle Territoire démonstrateur. Et le but, c'est d'aller encore plus loin avec les collectivités pour tester des dispositifs, notamment pour les protéger des inondations. Voilà. Et j'imagine qu'elles sont satisfaites. Elles sont satisfaites. Mais ça change la vie. Il y a un intérêt assez important. Alors, tout simplement, lundi dernier, on a fait un webinaire sur le sujet. Clairement, il y a beaucoup d'inscrits. Et il y a beaucoup de demandes. Parce que il y a un avant, un après. Voilà, c'est ça. Donc là, on commence à commercialiser depuis mi-septembre le service. Et là, on sent que voilà, c'est en train de partir. Et voilà, il y avait beaucoup de demandes. Voilà. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Trophée innovation technologique, et pour ce trophée, merci d'accueillir Franz Foderet, président fondateur de Zion. Bonsoir. Alors Zion, bonsoir, pardon. Bonsoir à tous. Zion vient de fêter ses 7 ans. Comment décririez-vous Zion aujourd'hui? Tout d'abord, moi je suis ravi d'être ici parmi les acteurs de l'assurance pour remettre le trophée de l'innovation technologique pour deux raisons. Parce que d'abord, l'innovation, c'est au cœur du projet de Zion. Et puis le secteur de l'assurance, c'est notre premier secteur d'activité. Donc effectivement, Zion a fêté ses 7 ans il y a quelques jours. Donc 7 ans, c'est l'âge de la maturité. L'âge de raison, on dit. L'âge de raison, on peut dire. Mais c'est aussi un âge où on a un petit peu de recul, et ça nous permet aussi de constater, d'affirmer que les choix qui ont été faits au début de la création d'entreprise, notamment le choix de développer notre propre technologie d'intelligence artificielle, ça s'avère les bons choix. Et concrètement, ça nous permet aujourd'hui de proposer à nos clients, dès cette année, une solution de résumé automatique des conversations de centre d'appel qui est basée sur de l'IA générative. Et pour moi, c'est un des plus beaux cas d'usage qu'on puisse trouver aujourd'hui d'IA générative sur le marché. Voilà. Après, en termes de perspective, puisqu'il faut aussi regarder l'avenir, nous avons deux priorités. Bon, la première, c'est d'élargir notre offre de services. Parce qu'actuellement, on est focalisé sur le vocal. Et donc, clients, dont certains sont dans la salle, nous demandent d'élargir notre solution aux canaux écrits, c'est-à-dire les mails et le chat. Et puis, il y a une deuxième priorité, c'est de se développer à l'international et développer de nouvelles langues, avec notamment l'anglais, qui nous est très demandé. Bon, bon anniversaire, donc avec quelques jours de retard. On va regarder les résultats. Alors, prix d'innovation technologique, le trophée de bronze est attribué à Sedwick pour Via One. Le trophée d'argent est attribué à AXA Partner et Keris France pour l'IA au service de la réduction des contrôles médicaux assurés. Et le trophée d'or à Permute pour Permute. Permute. Et merci d'accueillir Pierre Laurent et Arthur Fleury, cofondateurs de Permute.
bonsoir et bravo. Bonsoir. Bon, un petit mot d'abord, c'est une histoire de famille? Ça se ressemble pas, mais oui. Le père, le fils? Peut-être. Bon. Bah, je sais pas, on va dire. Oui, 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 oui. On est plutôt sûr. On est plutôt sûr. Enfin, on le croit. Bon, alors, allons-y. Parlez-nous de Permute, plateforme pour fluidifier les transferts de contrats d'épargne retraite entre les compagnies, les distributeurs et leurs clients. C'est quoi l'objectif final? C'est de fluidifier les transferts d'épargne retraite en France. Ouais. Voilà. Donc, nous, on a créé une plateforme digitale entre compagnies d'assurance pour qu'elles transfèrent leurs contrats d'épargne retraite entre elles. On a créé la solution il y a un an avec le soutien de 4 compagnies. Cardif, Swiss Life, Suravenir et Spirica, avec l'objectif de réunir l'ensemble des compagnies d'assurance sur cette plateforme. J'imagine qu'il y a un souci de sécurité, sécurisation des données. Exactement. Donc il y a eu 2 enjeux sur cette plateforme. Le premier, définir un workflow normalisé, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les informations et les documents obligatoires à chaque étape du transfert. Et en plus de ça, construire une plateforme ultra sécurisée permettant de respecter la réglementation RGPD. Les bénéfices de tout ça? Les bénéfices, il y en a 2. À la fois côté gestion, réduire les coûts pour les assureurs. On a divisé par 4 le temps que les gestionnaires passent sur une demande de transfert. Et côté distribution, permettre aux compagnies d'assurance d'avoir plus de transferts entrants. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, il a tout dit. La transmission, c'est bien faite. Bon, un grand bravo à vous, en tout cas. Merci à tous. Allez, on passe à l'innovation sociétale à présent. Remettre le trophée d'innovation sociétale. Merci d'accueillir Joanne Renaud, directeur développement et industrie du groupe GPA, et Gilles Bravard, directeur financier. Il y a 2 doigts de faire quelques petits pas de danse, non? Ouais. Bonsoir à tous les deux. Présentez-nous en quelques mots, GPA. Bon, en quelques mots, on le voit à l'écran. Mes grands-parents ont commencé l'activité en cassant des voitures. Et si on est là ce soir, c'est pour aussi casser l'image de ce métier qui est la casse auto. En fait, ça a beaucoup évolué, ça s'est beaucoup industrialisé. Aujourd'hui, on est là à la fois pour prendre en charge des véhicules en perte totale que nous vendent les compagnies d'assurance, à peu près toutes ici dans la salle. Sauf l'Olivier et Suravenir, si vous les connaissez. Et puis, surtout derrière, pour transformer toutes ces voitures que l'on recycle en pièces de réemploi. La pièce de réemploi, aujourd'hui, c'est une activité qui s'est beaucoup industrialisée. C'est ce qu'on appelle la pièce détachée. La pièce d'occasion, pièce détachée, c'est exactement ça. Ça s'est industrialisé et elle vous aide à peut-être mieux maîtriser votre charge, maîtriser le ratio S sur P. Et surtout aussi atteindre des objectifs en termes de RSE, puisqu'il y a de très très grosses économies en termes d'émissions de CO2. Ça, c'est notre projet parisien. Au fond de la salle, s'il vous plaît. Ah, merci. Merci. Alors ça, on vous embauche. Ça, alors là, bravo. Non, mais parce que vraiment, on vous entend beaucoup. C'est mon côté autoritaire. Non, c'est notre projet parisien. Non, mais pourquoi j'ai besoin de silence? Parce que mine de rien, GPA, c'est une boîte familiale. Gilles, c'est mon DAF, c'est pas mon frère, mais c'est une boîte familiale, c'est 60 ans d'histoire, ce site c'est 42 millions d'euros d'investissement, on est une petite ETI drômoise, on a besoin de soutien, on a besoin aussi de votre confiance, donc voilà, merci de nous avoir accueillis ce soir, on est ravis. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Non, tout a été dit. Bon. Et moi j'ai visité le site drômois et c'est incroyable. Je vous invite à visiter. Un tout petit mot, c'est vrai que nous, on ne pourra pas vous inviter à San Francisco. Non. Mais on chacun vous invite son truc. Dans la Drôme et vous verrez, c'est quand même pas trop mal. Et la Drôme, c'est pas mal, effectivement. Oui. On va passer au résultat. Le trophée de bronze est attribué à Juridica pour Kids Angel. Le trophée d'argent est attribué à Massif pour le service cohabitation intergénérationnelle. Et le trophée d'or à Allianz pour le revers de la médaille.
Merci d'accueillir Laura Baudouin, responsable de l'équipe marque et publicité d'Allianz. Et je crois qu'elle est accompagnée de Hugo, Élise et Myriam. Ils arrivent. Voilà. Bonsoir, bienvenue. Merci. Et bravo. Allez-y, venez tous vous installer. Le revers de la médaille pour présenter cette initiative, vous avez fait une vidéo, vidéo choc, qui a été plébiscitée par le jury. Je vous propose qu'on la regarde ensemble. Regardez bien, sincèrement. Et écoutez. ...86% des athlètes ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Et comme toujours avec le cyberharcèlement, les victimes se taisent. 4 mois avant les Jeux Olympiques de Paris, Allianz, partenaire majeur et son équipe d'athlètes sponsorisés ont décidé de briser le silence. Le revers de la médaille. 8 champions ont donné leur médaille pour y graver au dos les insultes qu'ils ont reçues. Ces médailles, devenues les symboles d'une parole libérée face au cyberharcèlement, ont été envoyées aux médias et exposées dans la salle des trophées la plus bouleversante jamais créée. Et soudain, tout le monde s'est décidé à en parler. Même les plus grands médias français. Mais plus important encore, nous nous sommes assurés que notre message touche la nouvelle génération. Ça peut aller très loin, si on n'en parle pas, si on reste muet, discret. L'impact de la campagne est devenu international lorsque le comité olympique s'en est emparé, puis s'est officiellement engagé à mettre en place une série de mesures contre le cyberharcèlement. Bravo. J'entendais des waouh. Et effectivement, waouh, parce que les chiffres, ils sont dingues. Un sportif sur 10 qui a déjà envisagé de laisser tomber à cause du cyberharcèlement. Les insultes, on les a vues, sont de vraies insultes, d'une violence inouïe. On le voit, ça touche nos plus grands champions, ceux qu'on a adulés. Je pense à Teddy Riner, par exemple. Comment elle est née, cette initiative, Laura ? Alors, cette initiative, elle est née de plusieurs gérés avec l'objectif de répondre à une équation un peu complexe qu'on est très satisfait effectivement d'avoir résolu. C'était de se dire, ok, aujourd'hui on a effectivement ce phénomène de société qui est là on parle de cyberharcèlement, mais on peut effectivement étendre à d'autres formes de harcèlement plus globalement, qui devient un vrai sujet de société, un vrai fléau. On a ce partenariat olympique aussi, on a ce team d'athlètes qui est prêt à prendre la parole et qui est prêt aussi à s'engager. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut faire de ce sujet de société un sujet qui finalement peut recouper avec la dimension sportive que peut avoir la marque Allianz, notamment à travers ce partenariat, et aussi ce qu'on voit un tout petit peu moins effectivement dans ce case, mais qui est clé et central aussi, c'est comment est-ce qu'on le rattache à notre activité, à notre secteur qui est l'assurance. Donc là, je pense à tous les communicants de l'assurance qui doivent et qui ont aussi pas mal de problématiques en termes de communication pour se rattacher à la fois aux valeurs du sport, à la fois aux valeurs des engagements. Comment est-ce qu'on rattache tout ça à notre métier, à notre secteur et à notre rôle clé ? On parlait de rôle de l'assurance, de reconnaissance du métier de l'assurance dans la société. C'est exactement comme ça qu'est née l'idée, c'est comment est-ce qu'on joue notre rôle, puisqu'en fait, cette campagne, elle nous a permis aussi de faire savoir que dans nos contrats d'assurance protection juridique, il existe une garantie
contre le cyberharcèlement pour aider nos assurés. Donc il y avait une vraie volonté de pouvoir réunir les trois dimensions très fortes. Donc il y a la pédagogie et il y a aussi cette garantie qui est intégrée. Il y avait l'idée de se dire, ok, on est un acteur du sport, on est engagé dans la société, mais en plus de tout ça, on fait aussi des choses très concrètes pour nos assurés, pour nos clients, avec des garanties qui proposent des vraies solutions sur ces problématiques. Un grand bravo en tout cas. Vous l'avez rencontré, Teddy Riner, non? Oui. Teddy Riner, non, de loin, mais on est sponsor de Clarisse Agbenenou, qui est d'autant plus titrée que Teddy Riner, grande championne, grande vous avez bien raison, olympique féminine. Bravo en tout cas. Et je vais vous prendre le micro. Faites une petite photo. Alors, petite photo. Alors, avant de passer, merci, à tout à l'heure. Avant de passer au trophée de l'assuré, merci d'accueillir Arnaud Ozade, directeur du développement affinitaire de Mutued, groupe Groupama et fondateur d'Assurenco, le business club de l'assurance. Mais quel succès! Ben oui, quel succès! Bonsoir Arnaud! Allez! Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tout seul? Oui, je suis tout seul. Mon acolyte habituel m'a laissé ce soir. Je crois que c'est la première fois qu'il rate les trophées de l'assurance depuis 23 ans. Exactement. Bon, il a une bonne raison, mais alors, on lui racontera. Alors, parlez-nous de l'actualité d'Assurenco. L'actualité d'Assurenco, ouais, bah, c'est ce que vous avez vu en vidéo. C'est comme d'habitude tout au long de l'année, des conférences digitales enregistrées en studio, des dîners thématiques qui nous permettent de créer du lien, avoir une vision sur des sujets spécifiques. Et puis des événements dans le cadre du WCA, le Wine Club Assurance, une marque créée par Assurenco qui nous permet du networking, business, plaisir. C'est l'ADN d'Assurenco en parallèle de sa baseline. Faire bouger les lignes du secteur d'activité de l'assurance grâce à l'innovation. Et il faut noter la date du 28 novembre.
Et c'est gentil de me la souffler, effectivement. Je ne l'aurais pas oublié, mais... Oui, exactement. Le 28 novembre, notre prochaine grande soirée Cocktail Dinatoire Networking. On en fait deux par an. Celles-ci sont ouvertes à l'ensemble du marché. Assisteurs, assureurs, courtiers, sociétés de services. Si vous voulez vous inscrire et avoir de l'information, allez sur la page LinkedIn d'Assurenco. Et là, vous pourrez avoir toute l'info du club et toutes les manifestations tout au long de l'année. Et si le fait de nous rejoindre en tant que partenaire vous titille l'esprit, ben n'hésitez pas à vous rapprocher de Marie Ragneau, qu'un grand nombre d'entre vous connaissent et qui est présente ce soir, de Stéphane Saval, dont on a parlé et qui ne peut pas être là ce soir, mais que beaucoup de gens connaissent, et ben de moi-même, évidemment. Quoi. Voilà. Merci. Je pense que pour une fois, 13 Bravo. Secondes, il me reste 12 secondes. C'est parce que vous étiez tout seul, c'est pour ça. Et pour finir, quand même, un grand merci à nos super partenaires, sans quoi on ne pourrait rien faire. Donc voilà, merci à vous. Merci, bravo. Alors, trophée de l'assuré, donc les assurés, adhérents, sociétaires votent, ils jugent la dimension innovante, originale et attractive. 310 particuliers cette année ont été interrogés sur les 24 produits et services que nous avons donc reçu, et les marques étaient anonymisées. Voilà, et bien pour remettre le trophée de l'assuré service, je remercie Charles César, directeur commercial et relations clients de Mutuet, de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'imagine qu'en ce qu'on évoque les services, c'est quelque chose qui vous parle. Tout à fait. Le cœur d'activité de Mutuet, c'est l'assistance. Et quand on parle d'assistance, l'ADN de l'assistance, eh bien, c'est les services. Donc les services sur plusieurs formes. Mais si on parle d'assurance affinitaire, parce que c'est aussi notre cœur d'activité, quand on co-construit un produit avec nos partenaires, nos distributeurs, nos courtiers, eh bien, les services sont aujourd'hui une brique prédominante de la construction de nos produits pour rencontrer les besoins des consommateurs. Et justement, comment vous faites pour améliorer les services que vous proposez aux assurés ? Alors, pour améliorer les services auprès de nos assurés, je dirais qu'on a une approche assez pragmatique et simple. C'est l'amélioration continue. Donc, on a des enquêtes de satisfaction auprès de nos partenaires, nos collaborateurs, nos clients, nos assurés. De ça, nous tirons des analyses. Ces analyses sont traitées de manière mensuelle par un groupe d'amélioration continue au sein de Mutuet, composé de collaborateurs de tout horizon. Et de ça, on en tire des plans d'action correctifs pour adapter nos produits aux besoins des consommateurs. Faire évoluer les produits. Exactement. Allez, on va passer au résultat, si vous voulez bien. Très bien. Alors, le trophée de bronze est attribué ex aequo à Harmonie Mutuelle pour Mon Parcours Avenir Retraite et Matmut pour Easy, l'indemnisation simplifiée, un nouveau parcours self-care dégâts des eaux. Bah, décidément. Déjà primé. Le trophée d'argent est attribué à MMA pour SOS covoiturage. Et enfin, le trophée d'or à AXA France pour Acte AXA au cœur des territoires. Merci d'accueillir Richard Châtelet, directeur général du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, et Anne Joma, directrice du développement commercial, de l'expertise et de l'engagement. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et bravo. Et merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le dispositif en quelques mots, d'abord ? Mais écoutez, tout d'abord, je voulais remercier les assurés qui viennent souligner ce travail formidable qui a été réalisé depuis un an par les équipes d'Anne Joma.
Pardon, elle est encore plus belle, la récompense, quand elle vient des assurés. Oui. Pour nous, c'est, c'est le meilleur qu'on pourrait espérer ce soir. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque c'est un programme qu'on a lancé il y a un an au sein d'AXA France. Je voulais aussi remercier, parce que ce programme, il vit grâce aux équipes, mais il vit également grâce aux agents généraux qui le portent au quotidien dans leurs agences auprès de nos clients. Et puis également avec le soutien du mécénat d'AXA France. Et ce programme solidaire est une vraie nouveauté, une vraie innovation. Et on a aujourd'hui dans le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine un grand nombre de clients qui ont suivi ce programme. Donc je suis très heureux de recevoir ce prix. Et puis pour vous répondre à votre question, rien de mieux que la créatrice de ce programme pour vous expliquer à quoi correspond ACTE, AXA au cœur des territoires. Merci. Merci Richard et merci aux assurés, à tout le monde, parce qu'effectivement, tu as raison, ça a une saveur particulière quand ça vient des assurés. Et on est content parce que c'est un programme qui a été lancé il y a à peine un an. Et on a vu déjà le retour et les statistiques d'engagement de nos clients face à cette offre. Et quand on voit que même les assurés, face à des produits et des services anonymisés, ont récompensé cette innovation, on est super content. Et vous savez, c'est chez AXA France, on promeut l'audace et l'innovation. Et ACTE, ça a commencé par une toute petite équipe, deux alternants, une personne, j'allais dire presque à la cave, mais presque. Et dès qu'on a commencé à en parler chez AXA France, ça a tout de suite suscité l'intérêt. Et donc, grâce au soutien du mécénat AXA France et AXA à tout cœur, et évidemment le sponsorship de nos responsables, et bah, ça a pris forme et c'est maintenant, aujourd'hui, récompensé. On est super content. Bon, en deux mots, le dispositif, quand même, si on devait l'expliquer. Le dispositif, il est assez simple. En fait, il repose sur deux piliers. Un pilier qui permet à tout client d'AXA France de devenir ce qu'on appelle un donateur, donc de sponsoriser des associations qui sont choisies par les agents généraux eux-mêmes. Et un deuxième pilier qu'on appelle Agir, qui permet à tout agent général de proposer à ses clients, en collaboration avec AXA tout cœur, des actions solidaires en région, au plus proche de la collectivité, pour soutenir notre engagement sociétal, tout simplement. Ça fait un an, on le disait, vous avez quelques petits chiffres à nous donner ? Près de 200 000 euros de dons fléchés. 200 000 euros de dons fléchés sur trois associations fil rouge et plus d'une centaine d'associations soutenues au cœur des territoires dans les cinq régions de France. Et ben, un grand bravo. Merci. Merci énormément. Merci, bravo. Petite photo, allez-y, rapprochez-vous. Merci. Et nous passons au trophée encore. Innovation de l'assuré produit. Et pour remettre ce trophée, merci d'accueillir Julien Pichot, CEO d'ICANN. Bonsoir. Et bienvenue. Si vous deviez nous présenter, nous résumer en quelques mots ICANN, qu'est-ce que vous diriez ? Alors ICANN est un délégataire de gestion dans le domaine de l'assurance dommage, donc auto, habitation, assurance RC, RCP. Voilà, on va intervenir vraiment sur l'ensemble des couvertures assurantielles. Aujourd'hui, on va plutôt gérer des sinistres et des contrats. Et aujourd'hui, à ICANN, c'est un petit peu moins de 180 collaborateurs, tous spécialistes de l'assurance situés entre Caen et Montpellier. Un exemple d'innovation peut-être qui vous permette de gagner du temps. Alors effectivement, l'une des spécificités d'ICANN, c'est aussi d'être une boîte tech. Donc je suis moi-même d'une formation technique. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Donc on va développer notre propre CRM de gestion dans le cadre de nos délégations pour le compte de nos clients. On va développer des solutions en self-care, des bases documentaires, et puis également, depuis un peu moins de deux ans, des solutions autour de l'IA, avec des chatbots juridiques, des chatbots d'analyse de contrat, en intégrant les conditions générales, les conditions particulières, et puis des IA d'analyse de flux pour les classifier et les prioriser. On arrive à la fin de cette cérémonie de trophées. Donc ceux qui font du bruit là-bas... Un tout petit peu moins de bruit, promis, dans 15 minutes max, c'est fini. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez être partenaire des trophées cette année ? Alors effectivement, on souhaitait être partenaire cette année parce qu'il semblerait qu'on ne soit pas étranger à quelques trophées ces dernières années, même à quelques projets. Donc on s'est dit, on va venir voir comment ça se passe cette année et quoi de mieux que d'être sponsor et partenaire cette année pour remettre un trophée. Donc voilà. C'est une très bonne idée.
Et je vous laisse nous donner les résultats. Alors, le trophée de l'assurance produit. Donc, le trophée de bronze est attribué à Wacam pour Wacam et Corinthe, l'assurance vélo salarié. Le trophée d'argent est attribué à Soli Hazard pour l'option Family et compagnie. Et le trophée d'or à Juridica pour Kids Angel. Et merci d'accueillir Nathalie Aubonnet, directrice générale de Juridica. Bonsoir mesdames. Bonsoir et merci beaucoup pour ce trophée de l'assuré. Bravo, bravo à vous. On a parlé d'un certain nombre de fléaux, on parlait de cyberharcèlement tout à l'heure, d'harcèlement. Et je voulais rappeler aussi ces chiffres. Un enfant qui meurt toutes les semaines sous les coups de ses parents, un chaque semaine en France. 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, c'est des chiffres qu'on entend, mais... Je ne sais pas, si on se pose deux secondes. Alors, au fond, taisez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Franchement. Merci. Pourquoi cette protection Kids Angel ? On comprend bien ce que ça veut dire. Hein. Pourquoi ça ? Et qu'est-ce que c'est, concrètement ? Je pense que face aux chiffres que vous venez de citer, il y a aussi 3 enfants pas classe qui sont victimes de harcèlement scolaire. Face à ces chiffres, on a voulu agir. Alors, chez AXA et Juridica, on a un grand groupe avec plein d'expertise. Et donc, on a fait un travail collectif. C'est pour ça qu'on est plusieurs à être sur scène. Pour s'appuyer déjà sur l'expertise de chacun, on a un programme avec AXA Prévention qui permet de prévenir des risques numériques. Le permis Internet permet de sensibiliser les jeunes dans les écoles sur les risques du numérique. On a aussi le soutien du mécénat des mutuelles d'AXA qui nous permet de soutenir des associations de terrain qui sont fondamentales dans le programme Kids Angels. Et enfin, dans notre programme, on a aussi mis la touche de Juridica, puisque depuis plusieurs années, on lutte contre les violences faites aux femmes en les accompagnant juridiquement. Voilà, donc ce programme Kids Angels, pour lutter contre la violence faite aux enfants, c'est à la fois de la prévention, une garantie assurantielle stop harcèlement qu'on vient de mettre dans nos contrats d'assurance scolaire et de protection juridique. Et enfin, c'est un travail avec les associations de terrain pour être au plus près des besoins des victimes. Et il a fallu aussi communiquer autour de ce programme. Absolument, on a une belle campagne depuis en ce moment sur le harcèlement scolaire, que vous avez sans doute vu, on est très fiers. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je pense que Nathalie a tout dit. Nous, on est très très fiers de cet engagement qui est porté par l'ensemble de nos collaborateurs chez Juridica et puis au-delà, dans toutes les sphères d'AXA. C'est un beau projet collectif et ce n'est que le début de cette aventure puisqu'on soutient les associations et on va encore cranter plus loin dans les années à venir. Et bravo parce que ça concerne tout le monde en fait. Très sincèrement, y a aucun milieu qui est épargné. On a souvent tendance à se dire ça se passe ailleurs. Non, ça se passe chez tout le monde. Donc bravo à vous, vraiment. Merci. Petite photo avant de passer au manager et à la personnalité de l'année. Bravo. Alors, donc, en effet, nous remettons le trophée du manager de l'année et de la personnalité de l'année. Nous avons sollicité par emailing en mai et juin dernier un peu plus de 9000 personnes. Les managers et personnalités les plus cités ont été soumis au vote de personnalité du secteur. Vous les découvrez, et je les remercie. Voilà. Et puis un petit rappel également des managers des années précédentes. Ah. Il y en a qui se reconnaissent, ouais. C'est ça ? Et pour le trophée du manager, je remercie Cédric Ménager, directeur général des Furets, de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir. Et bravo pour le trophée Innovation Communication. Merci beaucoup. On reçut il y a quelques minutes l'actualité de cette rentrée pour les Furets. Alors, une actualité intense. Notre actualité, c'est de répondre à deux grandes tendances qu'on voit sur le marché. Un, c'est les grandes marques d'assurance et de mutuelles qui rejoignent de plus en plus les comparateurs. Et deux, pourquoi elles le font ? C'est l'autre tendance, c'est que les Français utilisent de plus en plus les comparateurs. On est à largement plus de 2 millions de visites par mois, et particulièrement les jeunes. Alors pourquoi les jeunes ? Un, c'est qu'ils sont malheureusement plus exposés encore aux problèmes de pouvoir d'achat auxquels nous on répond, c'est notre raison d'être. Et puis deuxièmement, ils sont habitués à la comparaison. Depuis toujours, ils comparent, ils ont comparé les voyages, ils comparent leur forfait mobile, et donc la comparaison est beaucoup plus naturelle pour eux, et de plus en plus, ils sont présents sur les comparateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre à ces deux tendances ? Un, une plus grande digitalisation des parcours, une plus grande simplification, parce que les jeunes, ils attendent quelque chose de très facile, donc il faut que depuis la recherche jusqu'à la souscription, ça soit le plus simple possible. Donc ça, c'est vraiment un acte qu'on fait en permanence. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va... au-delà du prix, c'est un petit peu comme ce que disait Julien, permettre d'avoir la bonne offre pour la bonne personne, donc en personnalisant l'offre, en rajoutant des critères qui sont les avis des clients, et donc d'avoir une correspondance entre une offre et un besoin. Et ça plaît beaucoup aux grandes marques et aux assureurs traditionnels, parce qu'on n'est plus que sur le prix. Voilà. Bon, les jeunes, ce n'est pas forcément une cible facile quand on leur parle d'assurance. Alors, c'est vrai que c'est pas la passion première des jeunes, l'assurance. Non, a priori. Il faut être un petit peu lucide. Donc, il faut savoir un petit peu faire évoluer. Et puis, pour eux, c'est très compliqué à décrypter. Donc il faut, on utilise trois axes pour leur parler. Un, c'est les médias. Donc, on va utiliser des médias qu'ils fréquentent, notamment TikTok, qui est... un lieu sur lequel ils sont assez présents. On a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Et il faut aussi, on va dire, accepter de leur parler à leur façon. Donc aussi, c'est le type de message. Donc on va beaucoup insister sur l'humour, parce que c'est une façon d'amener les gens à l'assurance. Et puis, sur le fait d'expliquer, d'être très pédagogique sur les bienfaits de l'assurance et pourquoi c'est utile, pourquoi c'est vraiment un service utile à la société. Et le troisième, c'est des vecteurs. Donc on va utiliser des vecteurs aussi qu'ils connaissent, tels que les influenceurs. Voilà. Et puis, de temps en temps, on fait des campagnes marketing assez innovantes qui plaisent au trophée de l'assurance. Voilà. On va révéler le nom du manager 2024. Alors, je suis très fier, c'est le manager de l'année 2024, Mario Tepo, directrice de CNP Assurance, directeur général. Alors malheureusement... Malheureusement, Mario de Tepo n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Donc voici un message qu'elle vous adresse. Je ne peux pas être parmi vous pour recevoir ce trophée, mais je tiens à vous remercier chaleureusement. C'est une marque de reconnaissance qui me touche comme dirigeante du groupe CNP Assurance. Depuis presque 20 ans, je suis profondément engagée dans cette entreprise qui reflète mes valeurs humaines, sociétales et environnementales. Ce que l'on attend d'un dirigeant, c'est de porter une vision, mais également de donner le cap du déploiement de la stratégie au quotidien avec l'ensemble des forces de l'entreprise. Pour moi, le management doit être horizontal, participatif et privilégier le collectif. Je prône la délégation car je fais confiance à mes équipes. Je suis convaincue que les meilleures décisions sont celles prises au plus près du terrain. Cela fonctionne à condition de donner du sens et d'avoir une communication transparente à tous les niveaux. Pour cela, j'invite par exemple en novembre prochain les 7000 collaborateurs de CNP Assurance à dialoguer avec le comité exécutif et le management. L'objectif est d'échanger sur tous les sujets relatifs à la stratégie de l'entreprise. J'encourage également l'initiative à travers une démarche en interne que l'on a nommée ATMO. Elle place le collaborateur au cœur d'un dispositif responsabilisant et le rend acteur de l'identification et de la mise en œuvre d'initiatives qui améliorent le travail collectif. Je suis entrée chez CNP Assurance en 2006. J'ai exercé différents postes sur une palette assez large de métiers, l'actuariat, le pilotage des risques, le contrôle de gestion, puis sur des postes plus orientés business,
j'ai notamment piloté les activités de CNP Assurance en Europe en France. Ce parcours est la preuve de l'attractivité et des opportunités d'évolution du groupe. Ces années me permettent surtout de bien connaître les équipes, leur engagement et leur professionnalisme. C'est une réelle force en tant que directrice générale. Ensemble, nous sommes un collectif et j'y suis très attachée. Notre ambition est d'accélérer le développement et la diversification de CNP Assurance en Europe et en Amérique latine. Nous le faisons en incarnant notre raison d'être qui résonne dans chacune de nos actions. Nous agissons pour une société inclusive et durable. En tant qu'assureur, bien sûr, en rendant accessible à chaque personne une solution de protection, quelle que soit sa situation. Mais aussi, en tant qu'investisseur, nous disposons d'importants leviers pour accompagner la transition écologique et énergétique et agir sur l'économie réelle. Je vous partage deux exemples récents dont nous sommes particulièrement fiers chez CNP Assurance. Le premier concerne l'accès à l'assurance emprunteur. Depuis quelques mois, les femmes qui ont eu un cancer du sein peuvent venir souscrire chez CNP Assurance une assurance emprunteur dès la fin de leur protocole thérapeutique. Et ce, sans surprise ni exclusion de garantie. C'est vraiment un message fort que l'on veut envoyer à ces personnes qui ont fait face à la maladie pour qu'elles puissent reprendre leur projet et tourner la page. Autre exemple, au Brésil, nous avons lancé avec Correos, la poste brésilienne, plusieurs nouveaux produits innovants, notamment en prévoyance. Ils améliorent l'accès à l'assurance pour les populations vulnérables. Et ils rencontrent un réel succès avec déjà plus d'un million de personnes couvertes. Ces avancées sont de réelles preuves pour un monde plus inclusif et plus durable et donnent du sens à mon action. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée et je félicite bien sûr les autres lauréats des trophées de l'assurance 2024. Alors, je remercie Agathe Sanson, directrice dialogue, partie prenante communication et mécénat, membre du COMEX de CNP Assurance, de nous rejoindre pour prendre le prix. Prendre la photo. Tenez, il est là. La photo. Vous voulez peut-être dire un petit mot ? Non ? Alors, on va faire la photo. Avant de passer à la personnalité. Juste pour vous remercier à tous le jury. Et merci à vous tous. Je lui remettrai dès demain le plus cérémonieusement du monde, même si ce sera beaucoup moins sympa. D'abord, vous ne serez pas là. Et ensuite, on n'aura pas notre formidable saxo. Et j'en profite pour le saluer. Il est formidable. Mood Sax qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette cérémonie, qui, je vous le promets, est bientôt terminée. Pour ceux qui s'impatientent, on passe à la personnalité de l'année 2024. Jean-Luc Gambet va nous rejoindre. Viens, Jean-Luc. Co-fondateur. Ah mais Jean-Luc, t'as un fan club incroyable, co-fondateur de ces trophées de l'assurance, bien sûr, président et directeur des publications de Vovox Media. On va revoir peut-être les personnalités de l'année de ces 13 dernières années. Voilà. Les voici, avant de révéler le nom. Et cette année, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Guillaume Bory, directeur général d'AXA France, personnalité de l'assurance 2024. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est quoi le sentiment quand on est sacrée personnalité de l'année ? D'abord de l'émotion, donc merci infiniment à vous tous pour cette distinction. C'est trop d'honneur, j'allais dire. Et puis beaucoup de reconnaissance, surtout beaucoup de reconnaissance pour toutes les équipes d'AXA France. Elles sont nombreuses dans la salle ce soir, toutes les équipes et tous nos réseaux de distribution, parce que à travers cette distinction, je crois que ce sont toutes les équipes, tous nos réseaux de distribution et tous ceux qui contribuent à porter le maillot AXA en France qui sont reconnus ce soir et ça me rend très fier. Merci beaucoup à tous.
Bravo. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous dirigez AXA France depuis près de 2 ans maintenant. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Permettez-moi, Guillaume, une appréciation toute personnelle, si je peux me permettre. Pour moi, l'art de diriger une entreprise, c'est tout ce qui se rapproche aussi d'un grand chef, d'une certaine façon, qui cherche à créer une expérience culinaire pour ses clients unique. C'est aussi l'art de diriger une entreprise, c'est aussi l'art d'un chef d'orchestre qui, d'une certaine façon, doit inspirer, motiver ses musiciens, créer un environnement propice au développement où chacun peut donner le meilleur de lui-même et une expérience riche et souvent multidimensionnelle. Pardon. Que ce soit dans le domaine culinaire que vous affectionnez particulièrement, si j'ai bien compris, ou musical également, il faut des ingrédients, bien évidemment, de l'inspiration, de la créativité, de la persévérance, de la patience, de la cohésion. Et pour le dirigeant que vous êtes, Guillaume Bory, c'est quoi les mots-clés ? Alors d'abord, je vois que vous êtes très bien renseigné effectivement sur mes passions en dehors de l'assurance, la cuisine et la musique. Le mot-clé, qui vaut aussi d'ailleurs dans ces deux arts infiniment plus complexes que l'assurance, pour moi, c'est l'écoute. Je pense qu'on apprend infiniment davantage quand on écoute, et dans notre métier particulièrement, et on l'a vu d'ailleurs ce soir, écouter nos clients, écouter nos partenaires de distribution, écouter nos équipes. On a vu plein d'initiatives à travers tous les assureurs, les courtiers et tous les acteurs du marché. Et félicitations à tous qui ont été initiés par les équipes directement et qui viennent évidemment pas des dirigeants de ces différentes entreprises. Donc tout commence d'abord par l'écoute et j'essaye de me l'appliquer au quotidien. Et puis peut-être un petit mot particulier, un dispositif que vous soutenez particulièrement, qui a trait à la musique, ça vous tient à cœur ? Oui, j'ai le plaisir et l'honneur de présider une magnifique association qui est soutenue par AXA depuis de très nombreuses années, qui s'appelle Orchestre à l'école et qui permet à des enfants partout en France de s'initier à la musique et de pratiquer au sein d'un orchestre. On a aujourd'hui 1500 orchestres à travers la France, depuis les zones les plus rurales aux quartiers défavorisés, en passant par des très grandes villes françaises, partout vraiment sur le territoire. Et l'orchestre, c'est souvent un très beau symbole de collectif dans lequel il faut trouver les forces de chacun et après réussir à les mettre en musique dans la bonne direction. Mais au-delà de ça, c'est une magnifique expérience d'avoir la chance de présider cette association. On a parlé ce soir parmi certaines innovations d'inassurabilité, d'assurabilité aussi, bien sûr. De nombreux Français, d'entreprises, de collectivités, on l'a vu tout à l'heure, de collectivités locales, expriment des inquiétudes constantes concernant l'assurabilité de leurs risques d'aujourd'hui, leurs risques habituels, si je puis dire, d'une certaine façon, et de nouveaux risques qui arrivent et qui concernent effectivement un sujet prégnant, en particulier exacerbé par les défis environnementaux, économiques et sociaux. Aujourd'hui, dans certains pays, pas très loin de nous, dans certains médias, pour certaines communes, pour des entreprises, pour des particuliers, nous entendons parler d'inassurabilité ou bien même de l'impossibilité pour certains de s'assurer à cause d'une augmentation assez significative des coûts d'assurance. Guillaume, on aimerait vous entendre sur ce sujet, votre fait de l'assurance. Alors c'est un vaste sujet et on pourrait y consacrer toute la soirée, mais je pense que sur ce défi de l'assurabilité, qui est absolument central face aux très nombreux risques qui non seulement se multiplient, qui sont plus globaux, qui sont plus interconnectés, et donc aussi à la montée de l'anxiété chez nos clients, chez les citoyens, j'allais dire, face à tout ça, notre secteur, en fait, d'abord, c'est une question de responsabilité. Et j'ai la chance ce soir, le privilège de représenter le leader sur le marché français. Vous imaginez bien que si, alors que notre mission essentielle, c'est d'assurer la protection de millions de Français, on commence à dire qu'on n'a pas de solution face à tous ces problèmes, c'est le début de la fin, si j'ose dire. Donc on a une responsabilité particulière de trouver des réponses. Est-ce qu'on les a toutes à l'heure où je vous parle ? Non. Est-ce qu'on sait
la méthode, les sujets qu'il nous faut traiter, oui, je crois qu'il y a trois très grandes questions sur lesquelles on doit travailler tous ensemble, et le secteur y œuvre dans son ensemble, pour permettre, garantir l'assurabilité. La première arme, c'est la prévention. Tant de choses peuvent être faites, et nous avons déjà fait au fil des années beaucoup. Il faut aller beaucoup plus loin, notamment face aux risques climatiques. Et c'est la meilleure solution pour permettre ensuite d'assurer les risques extrêmes. La deuxième question qu'on a à traiter, c'est de travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs, bien au-delà de l'industrie de l'assurance, à commencer par les pouvoirs publics. Et on le dit singulièrement dans ce pays, qui a un régime unique au monde pour protéger les Français face aux catastrophes naturelles, qu'on s'est attaché à défendre et à préserver, main dans la main avec le gouvernement ces derniers mois, et qui fonctionne. Donc on montre que quand on travaille ensemble, c'est possible. Et la dernière chose, c'est qu'il faut de plus en plus de conseils. L'inquiétude que les clients, les Français en général, expriment face à cette montée des risques, elle peut trouver des réponses si on est capable de les accompagner. Donc de répondre à leurs questions, de les conseiller, de trouver le bon produit d'assurance. Et tous les produits ne sont pas identiques, c'est ça qui les rend parfois si difficiles à comparer. Et c'est pour ça qu'il faut pour ça des partenaires de distribution partout sur le territoire, bien souvent des agents généraux, des courtiers, avec lesquels on est très fiers de travailler, parce qu'ils sont là au quotidien pour conseiller les clients face à cette situation. Si on combine ces trois éléments, la prévention, le partenariat notamment public-privé et le conseil de proximité, je suis convaincu qu'on maintiendra un monde assurable et c'est notre premier devoir. Merci, bravo. Merci beaucoup, encore. Guillaume. Merci beaucoup encore à tous. Merci à tous, c'était très bonne soirée. Merci. Allez, juste deux, trois petites infos avant de nous retrouver pour le cocktail, Emmanuel, Jean-Luc. D'abord, Jean-Luc, vous parliez tout à l'heure de cet ouvrage coécrit avec Jean-Charles à destination des professionnels et du grand public. 50 innovations changent l'assurance. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? Alors ce soir, on est dans le temple de l'innovation, hein, c'est ce qui se fait de mieux dans le secteur de l'assurance en France. On a voulu, avec Jean-Charles Némy, rendre l'innovation, rendre les produits d'assurance et les services d'assurance accessibles au plus grand nombre. Et donc on a sélectionné jusqu'au mois de mars, avec Jean-Charles Némy, 50 innovations qui nous paraissent, produits ou services, qui nous paraissent importantes. Et on va distribuer cet ouvrage hein, en librairie, c'est à destination du grand public, sur Amazon, sur la Fnac. On a voulu vraiment démontrer que l'assurance évolue, qu'elle est le partenaire quotidien des assurés. Une date à retenir, Emmanuel. Et puis, un prochain événement que vous commencez à connaître, il s'agit de la troisième édition des Talents de l'assurance qui sera présentée le 11 mars 2025. Donc les appels à suggestions de talents seront adressés dès le mois de décembre. Donc surtout, pensez à présenter les talents de votre structure. On s'est déjà rendu compte depuis 2 ans qu'il y en avait un grand nombre. Et donc continuez dans cette voie. Voilà, l'appel est lancé. Jean-Luc, encore deux initiatives en deux plus. Deux petites infos rapides. De l'actualité de Vovox Media. Le lancement ces jours-ci de la série Vécu et The Place to Biz. Alors, on essaie d'innover aussi un petit peu comme les personnes qu'on a vues ce soir, félicitées par le grand jury. Alors, on trouve que l'assurance, comme beaucoup d'autres, est vue par les clients trop souvent sur le prisme de la contrainte et des tarifs. L'assurance n'est pas sexy, hein, on peut se le dire entre nous. Je crois que pourtant, elle est indispensable pour les particuliers, pour les entreprises, pour les collectivités locales. Et ce qui nous a fait lancer cette série vécue comme vie quotidienne, comme vécue, c'est que l'assurance est un secteur moderne, c'est un secteur engagé. Et on a voulu, sur Instagram et sur TikTok, d'ailleurs, vous pouvez, c'est le premier épisode ce soir qui est diffusé. Donc vous là, pouvez, si on flash le QR code, ça fonctionne. Voilà, vous pouvez retrouver le premier épisode de cette série. On y trouve effectivement des jeunes talents, des jeunes comédiens dont l'objectif n'est pas de décrire des produits d'assurance ni des services d'assurance, mais surtout de parler de leur usage
et de leurs bénéfices. Donc, c'est les codes des réseaux sociaux. Donc, je remercie Simon, qui doit être présent dans la salle ce soir, qui a coécrit cette série avec Enola. Et puis, les comédiens, Valentine, Alex et Victor. Et donc, vous découvrirez toutes les semaines des quiz, des épisodes, des vidéos. Voilà un peu l'objectif, faire de la pédagogie, simplifier la compréhension de l'assurance, sensibiliser à l'importance de l'assurance dans la vie quotidienne des Français. Donc ça, c'est dès ce soir. Dès ce soir. Sur Instagram et sur TikTok. Et The Place to Be? Alors, The Place to Be, c'est autre chose. C'est un autre enjeu. C'est un autre dispositif qui s'adresse à tous les intermédiaires de proximité. On en a parlé un petit peu ce soir. Ça s'adresse aux agents généraux, ça s'adresse aux courtiers d'assurance, ça s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine. Ils ont un point commun, ce sont des chefs d'entreprise de proximité. Ils ont des préoccupations communes en tant que chef d'entreprise. Ils ont parfois des singularités. Donc The Place to Be, c'est le premier dispositif à destination exclusive des intermédiaires d'assurance. Il y en a des dizaines de milliers, vous les connaissez bien, en France. Donc c'est simplement en trois mots, hein, c'est un média de communication avec des spécificités, un site d'information qui sortira dans quelques semaines qui s'appelle The Place to Biz, un événement physique, des événements physiques qui se dérouleront en 2025, voilà, et puis un magazine gratuit à destination des intermédiaires de proximité. Et vraiment, l'enjeu de ce dispositif, c'est mettre en avant ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont acteurs de la prévention, ceux qui sont acteurs de la relation client, et de leur parler de leurs préoccupations et de ce qui les anime, donc tous les assureurs, tous les courtiers grossistes, les courtiers qui veulent parler à ces intermédiaires. Dans quelques semaines, vous découvrirez The Place to Biz. Voilà. Vaste programme pour les mois à venir. Un grand merci à tous. Sincèrement, tu es d'accord, Emmanuel, ils ont été très disciplinés. Plus que d'habitude, oui. Non? Ouais. Non, c'est peut-être l'effet Moonsax. Ouais, Moonsax, je crois que... Merci. Merci beaucoup. Et vous retrouvez demain le magazine avec l'ensemble des résultats, les interviews de Guillaume Bory, de Marie-Aude Thépeau et des présidents du jury, avec tous les résultats et de nombreux articles dont Amandine a parlé tout à l'heure. Donc je tiens vraiment à tous vous remercier pour votre présence. Vous êtes encore nombreux ce soir. Je renouvelle mes remerciements à nos partenaires, à tous les membres du jury, à tous les porteurs de projets. Amandine, je compte sur toi l'année prochaine. Avec une et petite danse. Merci donc aussi à Enola, Marie, Jean-Luc, enfin toutes les personnes qui œuvrent pour l'organisation des trophées de l'assurance. Je vous souhaite un très bon cocktail et on se retrouve. Merci.